Alors, si on considère l'attention, elle est double. Elle est soit analytique, et donc resserrée sur l'objet de du regard et de la réflexion, sinon elle est globale. Par exemple, si vous faites des arts martiaux et que vous avez ce regard analytique, vous êtes mort. C'est terminé. Il faut l'autre regard qui, lui, est nature. Les enfants, c'est une erreur que l'on fait dans l'éducation des enfants et qui va gâcher l'intellect, c'est que ils regardent de manière globale. Et on arrive et nous on fait le crétin autour, je suis mes doigts et tout ça. Allez, le petit jouet ici. Ça, c'est une horreur du point de vue de la manière d'éduquer. Il faut que l'enfant par lui-même apprenne à contracter son intérêt sur les choses et pas que ce soit suscité de l'extérieur.